Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à un invité, Fabien Kefelian, maître de conférences depuis 2012 en physique à l'université de Nice Sophia Antipolis. Votre laboratoire de rattachement à l'université de Nice Côte d'Azur est le laboratoire astrophysique relativiste, théorie, expérience, métrologie, instrumentation, signaux. Un laboratoire donc de l'université et du CNRS. Vous avez soutenu une thèse en électrique et communication au titre corrélation du bruit de phase de laser à réseau de Bragg par injection optique, application à la génération et au transport sur fibre de signaux radiofréquences, Bigre, et êtes membre de la collaboration Virgo qui étudie et écoute les sources d'ondes gravitationnelles que vous découvrez lors de campagnes d'observation où vous détectez, entre autres, de nouvelles fusions de trous noirs. La musique tient une très grande place dans votre vie puisque vous êtes un auditeur assidu de concerts et allez régulièrement à l'opéra et surtout parce que vous pratiquez intensément la musique et de nombreux chœurs de niveau professionnel profitent de votre très belle voix de basse qu'on va pouvoir apprécier. Fabien Kefelian, bonjour. Bonjour. Nous allons tout d'abord vous découvrir par un premier choix musical. Qu'est-ce que vous nous proposez d'entendre et pourquoi ce choix? Alors, je vous propose d'entendre le début de La Chasse de Clément Jeannequin. Donc, c'est une chanson polyphonique typique de ce compositeur qui fait parmi les 3-4 grandes chansons qu'il a composées. Et celle-ci, d'une part, bon, elle est très impressionnante d'un point de vue musical. Et puis aussi, c'est aussi une des seules expériences que j'ai essayé de mener pour diriger un chœur. Mais c'était vraiment une grande erreur vu, comme vous allez écouter, la complexité de la chose. C'était pas vraiment l'œuvre à choisir pour des débutants. Donc c'est l'erreur de jeunesse. Fabien Kefelian, comment la musique est-elle entrée dans votre vie?
Alors, disons que on m'a mis quand même à la musique, mais à la flûte à bec, moi je veux dire, ça m'a pas trop enchanté. Donc j'étais à l'école primaire, mais donc j'ai découvert vraiment la musique, et la musique c'est devenu une part importante de ma vie, par le chant choral, par la chorale du collège, avec une chef de chœur extrêmement investie, et qui m'a fait découvrir à la fois la pratique, et puis la musique en elle-même. C'est au moment où je me suis rendu compte aussi que ce qu'on chantait, ça pouvait être chanté par d'autres personnes, ça pouvait passer à la radio. Et là, tout d'un coup, on commence à découvrir par la pratique, et puis par l'écoute, par les disques, par la radio, le vaste monde de la musique. Donc ça a été quelque chose. Et maintenant, ça fait près de 30 ans que je chante de façon quasiment ininterrompue dans des chœurs, avec des chœurs qui sont devenus de niveau de plus en plus important à mesure que on a envie d'être plus exigeant, on a envie de plus de qualité parce qu'on écoute de la musique, on a envie aussi de faire de la bonne musique. Et il y a toujours, quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a toujours possibilité de rejoindre un chœur. Et dans certains endroits on peut rejoindre vraiment des chœurs de très haut niveau. Ça pousse aussi à travailler soi-même pour pouvoir être au niveau d'exigence des chœurs et avoir un niveau qui soit, tout en n'étant pas un professionnel, tout en cherchant à avoir un niveau professionnel. D'où l'importance de la pratique chorale dans la petite enfance qui peut mettre sur des rails comme ça pour faire de la musique. Et... Ah oui, ça c'était fondamental pour moi, c'est clair de pouvoir à la fois être avec d'autres personnes aussi qui aiment ça, et puis véritablement découvrir la voix, après on va découvrir les instruments parce qu'on va être possiblement amené à chanter avec des accompagnements, et donc c'est vraiment, et puis c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de pratiquer 10 ans comme pour le violon pour pouvoir sortir un son convenable. Et le plaisir d'être ensemble aussi, et de chanter dans un groupe et de pas être seul face à son instrument. Oui, nous ça a été l'occasion aussi, parce que comme je disais, c'est une chorale qui s'appelait Chorale Trevoci, dirigée par Catherine Durouchou, que je salue si elle nous écoute, et qui était extraordinaire parce qu'elle a emmené deux générations, je dirais, de chanteurs, d'élèves à découvrir le chant, et on partait en tournée, on est parti à Venise, au Canada, en Hongrie, à chaque fois dans le cadre d'échanges avec d'autres chorales, la plupart du temps, donc ça permettait de découvrir aussi d'autres pays, d'autres amateurs de musique, d'autres répertoires. Donc c'est vraiment des souvenirs exceptionnels. Et puis après, quelque chose qui après a conditionné vraiment le fait que la musique soit quelque chose d'important dans ma vie de tous les jours, et à la fois en tant que passion et puis que pratique. Alors nous allons écouter une pièce souvent chantée par les chœurs, cette fois-ci dans une version à voix égale. Il s'agit du cantique de Jean Racine De Gabriel Fauré. Donc c'est la version à voix égale. Tout simplement, moi c'était celle qu'on chantait. Moi j'étais dans une chorale à voix égale, et c'est celle-là. Et c'était une des seules qu'on refaisait périodiquement. Souvent on changeait tout le temps de répertoire. Et celle-là est très rare en fait. J'ai eu un peu du mal à en trouver un enregistrement. Donc c'est une redécouverte. Je pense que ça a permis aux gens aussi de découvrir le cantique d'origine sous une autre version. Oh.
Fabien Kefélian, vous assistez à de nombreux concerts. Qui trouvez-vous ? C'est un contact direct avec le son. On n'a pas l'intermédiaire du micro et du haut-parleur. Donc bon, c'est quand même entendre véritablement la musique, même si maintenant on arrive quand même et j'ai découvert quand même une grande partie du répertoire par les enregistrements à une époque où j'avais pas l'occasion d'aller dans les concerts. Et puis aussi c'est une sorte de célébration. Moi je dis pas que c'est comme aller à la messe, mais enfin c'est quand même, il y a un certain aspect aussi sacré dans la musique. Tout le monde vient, tout le monde respecte normalement cet aspect sacré. Et puis évidemment en termes de sensations, on peut atteindre des sommets d'émotions pas dans tous les concerts, hein. Parfois c'est des concerts où on se dit c'est comme un peu comme avoir écouté un disque, et puis il y a des concerts où vraiment on sent qu'il y a un contact, quelque chose de magique entre guillemets, avec le contact entre le chef et les chanteurs ou les instrumentistes on sent l'émotion souvent qui se transparaît par une sorte de silence complet du public ou une concentration complète du public. Alors c'est vrai pour le concert et c'est encore plus vrai souvent par l'opéra puisque là vraiment on sent aussi le contact avec le personnage dramatique qui va être interprété et le chant qui vraiment aussi est extraordinaire quand on va à l'opéra, on a un chanteur tout seul, souvent très très loin, à plusieurs dizaines de mètres, un orchestre qui peut avoir une centaine de personnes, et ce chanteur seul, sans aucun intermédiaire, et directement fait vibrer les tympans. Donc il y a un contact et, avec... Et vos cordes vocales, parce qu'on ne le sait pas, mais quand on va à l'opéra, on communie avec la corde vocale du chanteur, et parfois on peut être aphone à la sortie, parce qu'on est carrément sur les ondes. Alors vous nous parlerez des ondes tout à l'heure, mais... On peut être concentré de telle façon qu'aussi on peut être très fatigué à la fin d'un concert, à cause de maintenir aussi ce lien avec la musique. Alors, vous avez été jusqu'à Munich pour écouter ce que nous allons entendre maintenant, Richard Wagner, La Valkyrie. Oui. Vous avez participé à une tétralogie. Voilà. Oh!
Vous êtes bien sur RCF dans un numéro de Contrepoint où je reçois Fabien Kefelian, qui est professeur de physique à l'université de Nice Côte d'Azur, qui prend des cours de chant à l'Académie de Monaco, qui est en classe de chant à l'Académie de Monaco et qui chante beaucoup dans des ensembles vocaux ou dans des chœurs. On l'avait compris. Quel plaisir y prenez-vous? Bah, c'est le plaisir de produire la musique, d'être à la fois, quand on est un grand amateur, on complète. Alors, il y a toujours cette ambivalence un peu, le fait qu'on, si on aime la grande qualité de musique, c'est-à-dire qu'on a entendu là un chanteur exceptionnel, quand on pratique, on a aussi, évidemment, on ne va pas avoir ce niveau-là, mais on veut quand même pouvoir faire de la qualité. Alors, il y a aussi le plaisir de chanter avec les autres. Ça, c'est extrêmement important de se sentir partie d'un groupe. C'est aussi cette dualité entre lorsqu'on travaille sa voix, c'est pour un aspect de chanter soliste. C'est pas du tout le même type de caractère, hein, j'arrive à compléter les deux, essayer de faire les deux, et je pense que ça marche aussi très très bien, parce que on gagne beaucoup à savoir chanter avec les autres dans sa façon de chanter personnellement, puisqu'on est toujours en fait amené à chanter aussi avec le piano ou dans des petits ensembles, mais évidemment il y a la jubilation aussi dans l'exécution, dans le concert. Ça, c'est vrai que c'est un moment, il y a toute la partie répétition, bon, qui peut être parfois un petit peu laborieuse, hein, il faut bien travailler, mais après il y a la prestation et l'exécution qui est quand même un moment extraordinaire, parce que là c'est le direct, il y a le public tout aussi également, et il y a la communication avec le chef, enfin on sent l'émotion qui veut être envoyée. Bon, là on entend quelque chose de jubilatoire aussi dans la pratique. C'est une des fugues du Gloria de la Missa Solemnis de Beethoven. On entend c'est surtout parce que ça commence par le pupitre de basse. Alors j'ai eu l'occasion de chanter cette œuvre là au sein du chœur de l'Orchestre de Paris, et c'est une œuvre très rarement donnée, très difficile, avec beaucoup de moyens demandés aux vocaux, aux chanteurs, et là une structure, pour moi, le plus jubilatoire, c'est toujours de chanter les fugues. Parce que c'est vrai que c'est exceptionnel. Fabien Kefelian, vous participez au projet Virgo, où vous avez eu la chance d'écouter des trous noirs. Alors, vous en dites deux mots et puis on écoute un trou noir. Alors, Virgo, en fait, c'est une sorte de microphone qui est situé en Italie, mais qui a été créé et financé par la France et l'Italie. C'est quelque chose qui fait 3 km sur 3. Et en fait, c'est un microphone qui est capable de enregistrer les vibrations de l'espace-temps, des déformations de l'espace-temps, des vibrations qui sont produites lorsqu'il y a des collisions de trous noirs ou de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Et ça provoque un signal très particulier que je vous propose d'entendre. Alors, vous allez entendre quatre sons. En fait, les deux premiers sons, ce sont deux collisions de trous noirs différentes. Et après, les deux sons suivants, ce sont les mêmes, mais qui ont été décalés à des fréquences plus élevées pour pouvoir être audibles plus facilement. Et c'est très rapide. En fait, ça dure une seconde à chaque fois, chaque collision. Voilà, donc là, en fait, la signature du
de ces signaux. En fait, c'est ce qu'on appelle en anglais un chirp, c'est-à-dire que c'est une fréquence qui croît en fait avec le temps. Et en fait, en analysant la façon dont la fréquence va croître et l'amplitude du signal, on est capable de déduire relativement précisément la masse de chacun des deux trous noirs qui a fusionné et ensuite la masse du trou noir qui résulte de la fusion des deux trous noirs. C'est comme deux bulles de savon qui vont s'agglomérer et en former une nouvelle. Mais c'est quelque chose d'extraordinairement important puisque jusqu'alors, on avait aucun moyen de détecter un quelconque signal qui provenait véritablement d'un trou noir. Merci Fabien Kefelian, c'est absolument passionnant. Vous reviendrez nous parler essentiellement des trous noirs. Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver son texte sur le site de RCF Nice Côte d'Azur. Bonne semaine sur RCF et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint. Et vous nous donnez un cadeau puisqu'on termine avec Gustav Mahler, la deuxième symphonie, le dernier mouvement. Merci beaucoup Fabien. Merci. Au revoir.